Bonjour à tous, bienvenue dans le 31e épisode de Track D. Cette fois-ci, c'est la Porsche 550 Spyder qui est devenue célèbre grâce à l'acteur américain James Dean qui a perdu la vie à son volant. Je vous invite à regarder ça sur le net. Qui est aujourd'hui présenté dans un mode pour Assetto Corsa, un mode qui est assez dans l'ombre, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est vraiment une voiture super intéressante à piloter. Alors certes, elle n'est pas très jolie visuellement, le mode n'est pas très beau. Mais si vous êtes derrière le volant et vous réglez bien votre caméra, cette voiture est un pur chef-d'œuvre à piloter. Un CFX très faible, une vitesse de 218 km/h pour 600 kg, ce qui fait un rapport pour puissance absolument formidable. La voiture est légère, agile, facile à placer en virage. C'est vraiment super fun à piloter. Concernant les caractéristiques techniques, on peut vous donner aussi que c'est une boîte à 4 rapports. C'est 1500 cm3 le moteur et ça développe tout ça 110 chevaux et croyez-moi que ça envoie du très très lourd. C'est un moteur 4 cylindres à plat, inutile de le préciser puisque c'est du Porsche. Cette voiture a beaucoup d'histoires, beaucoup de détails. Elle a failli être par exemple la dernière de Ferdinand Porsche qui était prisonnier de guerre à l'époque. Enfin bref, je vous invite à vous renseigner sur cette voiture sur le net. Il y a beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'histoires, même si elle n'a été produite que pendant 3 ans. Elle a en tout cas marqué l'histoire et elle fait rêver aujourd'hui beaucoup de collectionneurs. Si vous souhaitez vous la procurer, eh bien, c'est dans la description de la vidéo, ainsi que le circuit de Zolder 67 sur laquelle la voiture tourne actuellement. Les amis, il me reste à vous souhaiter une bonne vidéo, et n'oubliez pas la règle, montez le son.